Yosh, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. On continue avec les Colorwalk 6, Goria, les artbooks, les chapitres en couleur, les couvertures chapitres en couleur. Il y a le numéro 7 qui sort bientôt en France et au Japon, ils sont déjà au numéro 8. C'est parti, on continue pour la découverte. Donc là, vous voyez, Shabonji, Marineford, Impel Down. Donc vous voyez quel arc ça reprend sur ce livre. Avec bien sûr que des traves, l'île où Chopper a été, Nami, Wazaria, je crois, si je prononce bien. Avec la Agnès Lobby. Allez, c'est parti. Donc là aussi, nous avons un poster. Strong World, comme vous pouvez voir que c'est écrit. Vous avez reconnu les tenues, les bestioles qu'il y avait. Hop, un Luffy cette fois en violet. On commence avec les 11 supernovas. Avec Duval. Le dragon céleste qu'on a envie de claquer. Shabunji Park. La Kami emprisonnée pour les enchères. Donc voilà, avec Rayleigh, les Mugiwara avant. Kuba qui fait disparaître l'équipage. Kizaru, sa première apparition dans le manga. Avec Law et Kid. Voilà, toujours c'est bien fait, bien grand, bien coloré. Comme on les aime. Voilà, les Luffy. Amazon Lily. Voilà, comme vous pouvez remarquer, 2008... Et 2008, la date d'apparition des chapitres. Avec Bo Hancock, Margaret, ses deux sœurs, Sandersonia et Marigold. Voilà, les Mugiwara. Moment de détente pour eux sur les couvertures. Assez sympa, je trouve. Voilà. Impel Down, où Luffy va pour chercher Ace. Avec Magellan, Sadji, Anyabal, Sadès, Minotaur, et lui c'est Blue, je sais plus quoi. Voilà. Là, perso, j'aime pas. Pas bien fan. Toujours avec les petites explications. Voilà. Les 7 grands corsaires, enfin anciennement plutôt, parce que maintenant, hein, c'est tout qui a changé. Un toréador, Luffy. Ouh, elle en jette celle-là, t'imagines. Oh, en plus, j'adore. C'est pas le même toucher. Voilà, l'équipe Deep and Down. Avec Buggy, Mr. Free, Bentley. Et Ace derrière. Avec les bestioles. Iwankov, Crocodile, Jinbe. Je vais pas tous vous les citer, hein. J'en saute un peu parce que bon, on n'a pas que ça à faire. Ah voilà, ça c'est de la couverture. Et il y en a aussi en figurine, cela existe. Ça vous fait penser à Wano Kuni, hein, qui va avoir bientôt, Pays de Wa. Voilà, ça c'est les figurines de, si je me trompe pas, de plus loin. Je sais plus où d'ailleurs. Bon, c'est pas grave. Voilà, avec les explications. Barbe Blanche et son équipage. Enfin, avec les commandants, Marco. Izu. Vista. Barbe Blanche qui se fait transverser par l'un de ses fils adoptifs, Squalo. Pour l'été. On a tous hâte que l'été revienne pour manger des glaces. Les trois amiraux. Kizaru, Akainu, Aokiji. Garp, Sengoku. Amiral en chef. Encore la grande guerre, avec Shanks qui vient l'arrêter. Avec la mort de Barbe Blanche et de Ace. Arc triste.
Et ben voilà, la tombe de Barbe Blanche et de Ace. Le flashback. Ça aussi, c'est une couverture de tome lors du flashback de Luffy. La Tea Party. Quand ils ont reçu tous le message de se revoir 2 ans plus tard et non 3 jours. Strong World, le film. Tous bien classe, bien badass. Avec encore des croquis. Encore des croquis. Là, c'est du jeu United World Red. Avec Red et Pato. L'entretien de Monochrome. Et voilà, encore le sommaire à l'envers. Enfin, à la fin plutôt, indexed. Et voilà, n'hésitez pas surtout à partager, commenter, vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et vive One Piece! Bye!